C'est bon, on tourne là? Ouais. Ici, Anna Vendôme pour Babou TV. Où des manifestations ont eu lieu la semaine dernière entre étudiants pour une revendication et un sujet plutôt lourd. Je suis accompagnée aujourd'hui de Clara qui va témoigner pour nous. Bonjour Clara, merci de m'accorder cette interview. Que se passe-t-il, Clara? Pourquoi avez-vous manifesté la semaine dernière? On s'est manifesté parce que, à cause des viols, les agressions qu'on vit tous les jours dans les rues, de se sentir en danger, alors qu'on juste en sortant en jupe, et on y en a marre en fait. Il y en a marre que d'avoir peur, il y en a marre de se sentir en danger, il y en a marre qu'il se passe rien et qu'il n'y ait aucune justice, aucune loi qui passe à cause de ça et qu'on ait l'impression d'être complètement transparente face à une justice qui n'est inexistante par rapport à nos problèmes. Des viols, des agressions dans les rues, mais également au sein même de votre lycée, Clara? Oui, malheureusement, et on en entend trop peu parler. On a trop peu de gens qui s'expriment par rapport à ça et on n'a aucune idée de ce qui se passe entre ces quatre murs. Qu'attendez-vous exactement maintenant suite à vos demandes, à vos manifestations? De prendre la parole. On aimerait que des cercles de prévention, des journées de parole où les gens se sentent bien et se sentent en sécurité de pouvoir en parler, de pouvoir s'ouvrir aux professeurs, de faire des journées de prévention, parce que les violeurs, c'est pas que l'autre, ça peut nous arriver à nous aussi, ça peut nous arriver à nous de faire de la merde et de pas en prendre conscience. Merci Clara. Un sujet tabou, un sujet violent, les agressions, le harcèlement pour les jeunes d'aujourd'hui. Tout a commencé par une soirée. C'était bien entendu, il était gentil. Il m'a proposé à boire, tellement que je me suis plus rappelée de rien. Je me suis seulement réveillée dans son lit, entièrement nue. On a refait plusieurs soirées, mais je voyais de moins en moins mes amis, ma famille, si bien que petit à petit je me suis mise à quasiment habiter chez lui. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, tes parents? Ah, mes parents, ils pensent que tout se passe bien. D'ailleurs, ils ne comprennent pas pourquoi je viens vous voir. Ils pensent que j'en fais trop et que tout est ma faute. Thank you.
C'est pendant la soirée de ses 18 ans que les choses ont vraiment dérapé. J'avais beaucoup bu, enfin... Il m'a fait boire pour coucher avec moi. Sauf que cette fois-ci, il n'avait pas mis de préservatif et je sais qu'il a fait exprès. Et vous en aviez déjà parlé, de cette question de préservatif ? Oui, parce que j'ai une certaine pathologie qui fait que je ne peux pas prendre de la pilule. Donc on s'était bien entendu sur le fait qu'il devait toujours avoir un préservatif. Enfin, il m'avait promis qu'il mettrait toujours un préservatif. Comment tu as réagi quand tu as appris qu'il n'en avait pas ? Je me suis énervée, je l'ai insulté et il a pas du tout apprécié. Il est sorti, il m'a insulté, il a fermé la porte derrière lui et pendant des mois ou des semaines, je m'en rappelle plus trop, je pouvais pas voir ma famille ni mes amis. J'étais juste enfermée dans sa chambre à pouvoir voir personne. Et personne ne s'est posé de questions ? Non, parce qu'il a... Il avait pris mon téléphone, il envoyait des messages. Il envoyait des messages à mon entourage. En me faisant passer pour une déprimée et une meuf complètement folle. Et je suis la première personne à qui tu en parles ? Mia, tu es sûre de ne pas vouloir me dire son prénom ? Non. Pourquoi ? Mais après, vous pensez qu'il va me faire quoi quand il va l'apprendre ? Mia, tout ce qui va se dire ici reste entre nous. Mais après, je veux dire, le regard, soit ils vont me regarder avec pitié, soit ils vont me mépriser parce que j'aurais dit la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il y en a d'autres qui t'ont fait du mal ? Comment vous pouvez rester aussi neutre ? Quelle femme ne s'est pas déjà fait emmerder ou juste insulter juste parce qu'elle marchait dans la rue ? Mia, je suis pas là pour te donner mon avis. C'est de toi qu'on parle ici. Et elle, c'est juste un exemple parmi d'autres, c'est vrai. C'est loin d'être ce que je vis tous les soirs avec ce monstre, mais je sais pas. Quand je vois juste un mec se lécher les lèvres ou juste balancer de sales phrases, ça me donne la nausée, comme si j'avais ses mains partout autour de moi. Que l'on soit la victime. Ou même l'agresseur, ou témoin d'une agression. Sachant qu'il me restait les traumatismes de mon beau-père, ma mère a glissé sa main sur moi et elle a descendu sur ma culotte. Ça va, calme-toi, arrête d'y penser. Les images restent gravées à vie, et on en souffre terriblement. Écoute Mia, je me doute, je ne suis pas sûr que tu parviennes un jour à oublier ça. Je crois que... Il va falloir que tu apprennes à vivre avec. Je sais que c'est facile ce que je dis. Je suis gendarme, je ne suis pas psy, mais je suis convaincu qu'il faut que tu mettes en place un nouveau processus pour essayer d'aller mieux, d'aller vers du mieux pour toi, prendre un nouveau départ. Et moi, je suis là pour t'aider à ça. Hein, je suis là pour essayer d'interpeller le coupable, pour le livrer à la justice, pour qu'elle fasse son travail. Le coupable ? Mon agresseur, ses amis qui me font comme si de rien n'était, ses géniteurs, ou encore les gars qui bavent devant nous dès qu'ils voient le monde. Mia, calme-toi, je sais, je comprends, mais parle-moi de ton agresseur. De tes agresseurs, hein, je... Mais c'est trop facile. Et moi, après, avec le regard des autres, quand tout le monde le saura, je fais comment ? À quoi ça va servir ? Mais je te l'ai dit, à entamer ton processus. Arrêtez avec votre processus, vous y comprenez rien à mes problèmes, vous y comprenez rien même au problème des jeunes. Tu peux pas dire ça, Mia, tu sais que j'ai un fils de ton âge et je me sens très très concerné par ce qui t'arrive. Si je vous disais que votre fils est le coupable, vous sentirez toujours aussi concerné ? Mais je peux quand même vous donner son nom. Je t'écoute. C'est mon copain, Ben.
quoi en sport, toi? Ah, on fait escalade. C'est bien. Ouais, en vrai, c'est grave cool. Bon, par contre, il y a juste le prof qui nous met de ouf, et ça, c'est pas cool. Mais non. Mais si, tu vois, par exemple, l'année dernière, on faisait muscu, et à chaque fois qu'on faisait des squats, le prof, il faisait que se mettre derrière nous pour nous mater, genre... Oh, ah, ouais. Ça me dégoûte. Dégueulasse. Après, je peux le comprendre, je pense que j'aurais fait la même à sa place. Mais ce que tu sais pas, c'est qu'il y a la meuf poilue dans ma classe. Chewbacca dans ton cours? Je te promets. Wow. Non mais Chewbacca, sérieux, mais si elle veut pas s'épiler, laisse-la faire ce qu'elle veut, non? Rigole. Non mais attends, mais ne pas s'épiler un soir parce qu'on a la flemme, genre, ok, mais là, mais c'est un ours le bordel. T'es chanceuse quand même, hein. Les grizzlies, ils sont en voie de disparition normalement. Mais le grizzly, carrément. Mais la pauvre, quoi. Non mais c'est bon, mais détends-toi, on rigole. Salut con, comment ça va? Salut Ben, ça va? Bah je vois qu'on s'est bien remis de la soirée d'hier. Ouais, franchement, tranquille. Bah on a pu un peu dormir quand même. Ça a pas fait de mal, mais bah après il y avait du monde sur la route, putain c'était casse-couille, mais bon, on est là. J'espère bien, parce que vu comment les murs y tremblaient, ça a dû y aller. Comment ça, de quoi il parle? Rien, t'inquiète, il est con. T'as bien déglingué quand même. Oh putain, mais ta gueule. Toi, mais... Oh putain. Calme-toi. Okay. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, il... On se verra plus tard. Et quelles sont tes relations avec Ben? Tu le connais bien? Ouais, enfin, c'est seulement le copain de mon ami, quoi. Mais rien de plus. Elle ne t'en a pas parlé davantage, ton ami? Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, genre, je sais pas, 7 mois, un truc du style. Et tu sais si tout se passe bien entre eux? Ah oui, ça a l'air, en tout cas, ils me font rêver. Tu es sûr de toi? Rien ne peut prouver ce qu'il t'a fait? Ma parole, un témoignage. C'est pas si simple, Mia, on peut pas envoyer des gens en prison avec ça. Moi j'ai besoin de preuves concrètes, réelles, tangibles. Vous voulez du concret? Et les photos des bleus que je vous ai envoyées, c'est pas du concret ça? Mais ce n'est pas suffisant, on peut pas prouver que c'est lui. Vous entendez? Donc moi je vais me faire foutre et lui il s'en sort, c'est ça? Mais c'est pour ça qu'il me faut des preuves. Je dirais que vous me protégez, capitaine. Mais absolument pas. Alors agissez. Comment ça? Je l'ai pas. En vrai, va la voir, elle est vraiment drôle. Il est vraiment, vraiment drôle. Son hippie. C'est vrai que. Alors, tu vas dire qu'il a pas eu de bol, mais bon. Sinon, il a pas eu de bol. C'est sérieux. Bonjour. Bonjour. Ouais, vous êtes? Parler. Vous nous voulez quoi, juste? Je voudrais vous parler de votre ami Ben Hoover. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Chez lui, à une soirée, la semaine dernière. Vous lui voulez quoi? C'est moi qui pose des questions, mademoiselle. Sachez que j'ai de bonnes raisons de m'intéresser à lui. Ah bon? Il aurait violé quelqu'un, peut-être? Vous savez s'il est avec une autre fille que Mia? Il est pas très fidèle, c'est vrai, on l'a vu avec une autre meuf, là, Elisa, je crois. Après, il est parti, enfin, je sais rien. Il est parti. Et vous savez s'il s'est passé quelque chose avec cette Elisa? Bah, avec Elisa, oui, quand même, ça j'en suis. C'est non, rien du tout. Mais si, t'avais. Non, on m'a confondu, c'était quelqu'un d'autre. Ça leur accordait vos violences, ça m'a l'air assez étrange, tout ça. Je crois que. Nous allons être amenés à nous revoir. Je vous souhaite une bonne journée. Ah. Et bien évidemment, cette entrevue reste entre nous. Tu veux un café, un chocolat? Je veux que justice soit faite. On veut tous que justice soit faite. Et il n'y a pas un ami à Ben qui pourrait nous aider? Si, il y a James. C'est un ami d'enfance à Ben, mais je pense qu'il serait prêt à nous aider. Ouais, mais c'est un ami d'enfance. Il n'y a pas de risque qu'il lui dise tout. Non, il a subi une histoire similaire par des amis de Ben.
pas, salut maman. Comment ça va? Vous avez passé une bonne journée aujourd'hui? Oui, mon chéri, merci. Très bonne journée, et toi? Ouais, vraiment, c'était super cool. Ah, t'es là, toi? Bah ouais. C'est vrai, c'est pas souvent qu'on se parle comme ça à table. Ouais, je sais, mais bon, j'en avais envie ce soir de partager ma journée. J'ai vu une amie aujourd'hui. On s'est bien amusé ensemble. Mais c'est chouette, ça. Mmh, c'est bien. Non, non, mais je suis pas d'accord. Je suis en Macron. Non, mais de toute façon, j'ai eu la même discussion l'autre jour. Ouais. Bon. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Ouais, tu le crois, quoi. Je vois. J'ai pu interroger le groupe il y a peu de temps et j'ai bien remarqué que ce James n'est pas vraiment, vraiment comme les autres. Il ne couvre pas autant Ben. Ouais, c'est bien. Alors écoute-moi bien, bien attentivement, car j'ai une idée. Vu qu'il est proche de Ben, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Tu vas l'appeler une fois qu'il sera chez lui, et ensemble, vous placerez une caméra pour que l'on puisse avoir des images du viol. Ça pourrait l'incriminer, on pourrait avoir là une grosse preuve contre lui. Oui, allô? Oui, lui-même. Quoi? Préparez-le, j'arrive tout de suite. Préparez-le. De pouvoir enfin tourner la page, rassuré, de savoir que ce monstre a eu ce qu'il méritait. Mais... ce rêve est toujours entaché par la peur. Que ce soit loin d'être terminé. Allô? Bonjour Mia, capitaine Harry à l'appareil, comment vas-tu? Bof, ça ira mieux quand tout sera terminé. Oui, je comprends. Écoute, j'ai interrogé Ben durant des heures et je n'ai pu obtenir aucun aveu. Alors j'ai envoyé les preuves au parquet et j'attendais d'avoir une réponse pour te contacter. Et donc? Malheureusement, il ne souhaite pas continuer les poursuites. Je sais pas ce qu'il a pu rater. Oh, peut-être quand on vous a placé sur cette affaire, je ne sais pas. Mais donc, c'est sérieux, voilà, c'est fini? Je suis désolé, Mia, je... J'en veux pas de vos excuses, capitaine. Ce monstre m'a fait vivre un absolu enfer et là, tout ce que vous me dites, c'est que c'est terminé. C'est... il ira pas en prison. Mais vous,
Vous devez en avoir absolument rien à faire que ce salaud soit toujours en liberté. Pendant que moi, je suis toujours là à ne pouvoir engager aucune relation avec personne. Je sais, Mia, écoute, j'ai peut-être une autre idée. Ah, encore une de vos superbes idées? Écoute, Mia, tu n'es pas là pour m'aimer. J'ai une amie avocate. Tu vas la contacter et elle pourra porter plainte. Ça relancera l'affaire et ça montrera que tu ne lâches rien et que rien n'est perdu. Et ça pourrait marcher? Je ne sais pas, c'est possible. De toute façon, on n'a plus rien à perdre. En tout cas, j'espère qu'elle sera plus utile que vous. Merci quand même, capitaine. Ok Mia, j'ai pris connaissance de ton dossier et vraiment, je suis à peu près sûre de t'obtenir justice. Il y a des tas de gens dans ton cas qui ont subi de lourds traumatismes et qui y sont arrivés. Et ces gens pourront t'accompagner à présent Mia. Donc prends confiance, j'ai bon espoir, tu vas y arriver parce que tu es une personne forte Mia. Donc aie confiance, ça va bien se passer. Vous êtes toutes et tous forts, vous ne devez rien lâcher, même si tout semble perdu d'avance. Et même si ton bourreau continue sa vie comme si de rien n'était, rien ne restera impuni indéfiniment. Ceux qui savent, savent. Nous ne t'abandonnerons pas. Tu dois te battre et obtenir justice. Ne rien lâcher tant que les coupables n'auront pas payé. Justice sera faite. Ne lâchez rien, même si ça peut être compliqué. Il ne faut rien lâcher, car un jour ou l'autre, vous finirez par obtenir gain de cause. Et vous pourrez enfin revivre.